Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un petit test pour le jeu TF. Donc je ne sais pas du tout de quoi il parle, j'ai vu juste quelques photos, images. Enfin, il avait l'air plutôt bien fait niveau graphiquement, donc j'ai voulu télécharger, l'essayer et vous le faire partager comme d'habitude. Donc on va essayer ça tout de suite. Je sais plus, j'avais vu dans le téléchargement qu'il y avait marqué qu'ils avaient fait un... C'était les résisteurs d'un jeu que j'aimais bien, mais je sais plus qui... Enfin, je sais plus quoi plutôt. Ah oui, je crois que c'est un Square Enix le jeu, c'est pour ça qu'il m'avait attiré, qu'il avait attiré mon attention. Étant donné que Square Enix, si je me rappelle bien, ouais, c'est Final Fantasy Kingdom Hearts. Et Eidos Montréal, pareil. S'il est bien fait réellement ou pas. Ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde automatique de base dans le système PlayStation 4 lorsque ce symbole est à l'écran. Oui, ok. Hop, régler la position du curseur de façon à ce que le logo soit à peine visible. Allez ma poule, charge, charge. J'attends que ça, que tu fasses ça. C'est incroyable comme les démos sont longues à se charger. À chaque fois c'est pareil. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de support CD. Enfin je sais pas. En tout cas, c'est long. Ah, enfin. Quelque chose tourne par rond. Cette eau froid me rafraîchir les idées. Gemme de lumière. La gemme de lumière dans le coin inférieur gauche de l'écran indique si vous êtes ou non caché dans l'ombre. Dans l'ombre, vous avez moins de chances d'être repéré. Donc, faut pas que je me fasse repérer. Maintenez L2 tout en vous déplaçant pour courir. Lorsque vous courez, vous sautez par-dessus les trous et franchissez les obstacles. Ne laissez pas s'échapper! J'appuie sur carré. L'objectif, elle est au bout des fronts. Et je m'en fous de ça. Putain. 50 ans pour récupérer un truc quand même. Je laisse appuyer carré des avantages à mon style, donc je m'en fous. Ouh, ça c'est cool. Merde. Ok, il se range tout seul apparemment. J'ai repris la flèche. Grappin. Touchez et maintenez le pavé tactile pour sélectionner la flèche grappin dans l'inventaire. Ok, j'ai compris le système. Ça doit être ça. Flèche grappin. On l'accroche pas. Ah, fallait appuyer.
l'impression que je réfléchis et que j'agis plus vite quand je me concentre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ok. Alors la touche L2 sert à peu près à faire tout. Ouais, voilà, R2 encore. Allez, où là? C'est le bouclage? Je vais entièrement la ville, nous empêchons la médaille de se répandre. On fait que s'asseoir sur le couvercle du cercueil. On s'assoit dessus. La vigile. Appuyez sur carré près d'un angle pour épier. Vous êtes plus difficile à voir lorsque vous épiez. Ok. Appuyez sur R1 pour neutraliser une personne peu méfiante. Vite avant que le verre ne tienne. Et le quartier de Stone Market. Mais c'est pas un bouclage qui m'empêchera de passer. Ça fait mal. De quoi me faire tenir un jour de... Qu'est-ce que tu regardes, là? Le prix de ce masque incrusté. Il y aurait de quoi nourrir une centaine de petits boyaux vides pendant un an. Tu ne vas pas me dire que t'écoutes ta conscience. C'est pire que la maladie. Je peux couper par la bijouterie pour contourner les portes.
puis, ce masque me fait de l'œil. S'introduire dans la bijouterie. On va attendre qu'il passe. Comment tu veux que j'en ai? T'as nulle part où aller ! Quoi ? Esquive. Appuyez sur L1 plus L pour esquiver les attaques. L1 plus L. Putain, il est pas collé. Comment on fait déjà pour ça? T'as pris un coup de crapaud, t'es pas bon. Il m'a planté, mais c'est l'air. Vous êtes mort. Ouais, il a l'air sympa quand même. Mais c'est pas le genre de jeu que j'achèterai à 70€, moi, franchement. La démo me suffit amplement. Allez, charge. J'aimerais quand même voir ce qui se passe après. Oh là là. Alors, contourner l'entrée verrouillée. Je peux passer là-bas aussi. Mais il faudrait que je sache comment faire, quoi. Thank you.
quoi il y a cette corde? Ah. Il y aura quelque chose à faire. Voler ce masque sera un jeu d'enfant. Un voleur qui sort de voler chez le masque tout stride devrait voler ce masque. Si j'appuie là-dessus, pas un autre truc à piquer. C'est par là que je sors, mais une fois en bas, je pourrais pas revenir. Bébé. C'est une espèce de Robin des Bois, le type en fait. Ils volent pour donner. On sent la rivière, mais... plein de tiroirs quoi. Hop les... On peut ouvrir ça du tout? Non. Bon, apparemment j'ai tout piqué. Oh, j'avais pas ouvert ça. Le tiroir ici. Non. Faut voler le masque. Sur la table. Non. Tu es un voleur, je te conseille de décarpir. Tous les bruits ne sont pas suspects, heureusement. Oh!
chiens moi qui ronflait, on l'entendait dehors quoi. En fait c'était l'autre qui ronflait quoi. Sérieux, c'est quoi ce jeu? Les mecs ronflent plus fort que qu'ils parlent quoi. Même quand tu prends un coup d'épée quoi, ça fait moins de bruit que quand ils ronflent. J'ai trouvé un vrai trésor ici. C'est le jeu ça en tout cas. Ah puis je crois dans celui-là rien. Oh, rien à travers la vitre, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, regarde, un truc par terre. S'il faut crocheter, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de précieux dedans. Oh, j'étais dessus. Moi ça. Hop les 20. Putain, je m'en fais du fric là. Je suis à 122. Je peux pas l'ouvrir, j'ai déjà ouvert. Oh. Il y a deux jolis petits trucs là. 25G. 50. Oh, j'ai mal au cou. Ah merde, il reste quelqu'un. Qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit? Juste au cas où, je vais reprendre mes flèches. Voilà. Je sais pas où il est. Je suis gelé. Ça doit rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Il y a même des coffres ici. Allez, crocheter. Hop. Maintenant, carotte. Ces bijoux sont en verre. Enfin, on peut en tirer un prix en comptant sur la naïveté du client. Il est temps de sortir. Une fenêtre à l'étage suffira pour passer de l'autre côté. Ah merde, c'est ça la porte d'entrée. Ça j'ai déjà ouvert. Pourtant on n'est pas allé jusqu'en bas. Après je crois que j'ai tout pris ici. On sent la rivière. Ça sert. Oh. Oh. Ouais, je crois que je suis en train de perdre une dent. Putain, mais c'est stylé. T'as des entrées partout. Je vais quand même aller vérifier parce que j'ai pas pris le fric qu'il y avait en bas. J'ai vu qu'il y avait le bijoutier, si je me rappelle bien. Elle descend. Putain, il veut pas descendre. Que par là-bas quoi. Tout à l'heure pourtant il avait dit que la porte de sortie ce serait le truc que je comprends pas. Non, me dis pas qu'une fois qu'on est monté on peut plus redescendre. Enfin. Allez, je vais te défoncer la gueule. La soudure n'est pas finie. Hop, je carotte. Je carotte. €399. Faut pas de ma gueule, j'ai un petit dernier. Ah.
pas vu cette porte dehors. Et ouvre-toi. Non. Change ton arc. Pourquoi elle est bleue? C'est parce que je fais comme dans Call of, j'appuie sur triangle pour changer. J'avais vu une porte. D'ailleurs, j'avais pas pillé ça, je crois. Peut-être que si. Ah, peut-être que non. Comment j'ai fait pour me mettre là comme ça? Oh, on sent la rivière ici. Qui c'est qui parle encore? J'ai tué tout le monde. Non, range ton arc. Pourquoi il a plus de trucs bleus et tout là? Nourriture. Ah ouais, et ça. Ah, ça sert pas ouf. Bref. Et l'eau. À quoi ça sert? Bon, d'accord. Voilà comment on le fait taire. Je pourrais devenir capitaine. En fait, j'ai envie de le finir, surtout pour voir l'histoire, parce que ça m'intrigue quand même pourquoi, enfin, j'ai envie de savoir pourquoi ils volent en fait. Parce que j'imagine que c'est pas juste pour voler. Pour moi, ça doit être sur, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit certainement être un espèce de Robin des Bois, quoi. Enfin, Robin, là, ce serait plutôt Robin de la ville, mais bon. Mon père se souvient de l'incendie de Shellbridge. Il faisait jour en pleine nuit avec les flammes. Ou nuit en plein jour avec la fumée, je sais plus. J'ai lu qu'avant la naissance du baron, la cité était en guerre. T'as lu ça, toi? Ça alors, incroyable! C'est vrai que c'est l'endroit rêvé ici. Il s'est passé tellement de merde dans ces rues. Des incendies, des maladies. Bravo! Tu viens de donner ton emplacement. Je savais pas comment faire autrement donc. Voilà. C'est le rendez-vous de Jill. Faut pas me faire repérer. Je vais leur montrer moi. Subordination. Là par contre il y a mal. Oh, désolé, madame. Ordre du capitaine. Il a dit, allez vous mettre sous la fenêtre de la bonne femme à Beach Market, celle qui a la tronche que même les crapouilleurs la refoutraient à l'eau. Et essayez de la faire mordre. Ça fera des vacances à tout le monde. Fais gaffe, elle est partie chercher le pot de chambre. De la loi martiale, mais tout le monde reste là. La ville est fermée, tête de mélasse. On raconte que le vieux machin chaud est mort de la grisaille. C'est ça? Ah, il l'a bien mérité.
de la filature. C'était quand la dernière fois qu'on l'a aperçu? T'habites sur le chemin d'Eastport, c'est ça? Il y a la grisaille là-bas? Ouais. La rivière a été recouverte de cadavres gonflés. On aurait dit... Oh là, je dois aller où? Un breu gigantesque. C'est vers là-bas. Ah. Vous étiez très agressif et n'avez reculé devant rien pour prendre le dessus sur vos adversaires. Style de jeu fantôme moyen, opportuniste. Ouais, ça va. Et prédateur beaucoup. Statistique 25 minutes 43. Trésor trouvé 1 sur 4, que ça. Poche fouillée 0, serre crochetée 5, personne sauvée, on s'en fout un peu. 4 tirs en pleine tête. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je visais leur tête tout à l'heure et ça les tue même pas. Voler tous les objets, trésor 60%, j'en ai volé. Ok. Il y a un petit bug quand même au niveau du son là. C'était chelou là. Petite IF là sans bruit ni rien. Ah c'est tout? Donc on sait rien sur le jeu. Bon ok. Bon ben moi je vais vous laisser sur ça. Du coup ben apparemment c'est juste un voleur et il cherchait à vendre le masque à un vendeur. Donc je sais pas, il doit se rebeller sur moi contre l'énergie ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas le genre de jeu sur lequel je foutrais aussi 10€. 20€ encore d'accord, mais pas plus. Même s'il est plutôt sympatoche. Mais ce qui est plus. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.